On parle de poules dans cette dame nature, hein, surtout de poulailler, j'ai envie de vous dire, un poulailler autonome et 100% mobile. Et c'est une première en Haute-Savoie et on en parle avec Julien. Salut Julien. Salut. C'est quoi ce poulailler? Donc ben, c'est un poulailler mobile qui est donc autonome en énergie électrique, donc avec des panneaux solaires. Il y a une horloge astronomique à l'intérieur qui donc gère l'ouverture, la fermeture des portes, qui gère aussi la luminosité du poulailler. C'est ce qui nous permet d'avoir des œufs l'hiver. Si tu veux les poules, il faut qu'elles aient 16 heures de lumière. Ah. Et puis nous le matin, on a juste deux petits bandeaux de LED là, qui viennent les réveiller gentiment avec une lumière qu'on appelle crépusculaire. Et le soir, bah, pareil, ça prend le relais gentiment. Et puis nos poules, à 19h, tout le monde est couché, tout le monde dort. Et le chauffage du coup pour le poulailler? Alors bah, le poulailler est isolé, donc si tu veux, il n'y a pas besoin de chauffage. Il y a un thermomètre en fait qui m'indique la température intérieure. Et en fait, même cet hiver, on avait des moins 6, moins 7 le matin et on n'est pas descendu une seule fois en dessous des 16-17 degrés dans le poulailler. Wow. Avec l'ouverture, la fermeture des fenêtres. Et donc, on arrive vraiment à gérer la chaleur et la température. En fait, l'avantage de ce poulailler, c'est que, si tu veux, je prends la remorque et je la pose au milieu d'un champ et je suis tranquille pendant 5 jours en termes d'aliments, en termes d'eau. Parce qu'ici, on n'a pas l'eau ni l'électricité. Donc, voilà, c'est vraiment, tout est très bien pensé. C'est écolo, ce poulailler est écolo. C'est plus bio que bio. Non, mais c'est écolo, c'est vrai. Il n'y a pas de dépenses d'énergie. Non, non, on est sur un poulailler qui est autonome en énergie électrique. Et pourquoi donc un poulailler comme ça mobile? Donc un poulailler mobile, pour moi, c'était quand même quelque chose qui me tenait à cœur, dans le sens où agronomiquement, je ne concentre pas mes volailles toujours au même endroit. On les déplace tous les 10 jours pour leur garantir toujours de l'herbe verte à profusion. Et puis agronomiquement, ben voilà, je prends mon poulailler, mes poules mangent l'herbe. Une fois que le terrain est mangé, je me déplace. Le terrain a le temps de repousser, c'est reparti. Génial. La poule, par automatisme, c'est un animal qui se déplace peu. Elle va se déplacer à 50 mètres autour du poulailler. Ah, c'est ouais. Ce qu'on voit aussi dans les élevages. Ben, bien sûr, la poule, elle a peur de ce qui arrive au-dessus, les oiseaux. Elle a peur de ce qui arrive en dessous, les renards. Donc la poule, elle se tient toujours un petit peu proche de la sortie, quoi, si je puis dire. Et du coup, de par le poulailler mobile, mes poules vont manger autour du poulailler et après on bouge. Et donc du coup, elles ont toujours de l'herbe à profusion. Voilà. C'est vraiment le but de ce poulailler, c'est vraiment que nos poules exploitent un maximum de tout ce qu'il y a par terre. C'est vraiment un poulailler pour le bien-être animal, quoi. Oui. C'est trop drôle. Dégage, t'as le poulet derrière. Attendez. C'était important pour nous que nos poules se sentent bien. Et puis, c'est vrai que pour un éleveur, travailler dans de bonnes conditions avec des poules heureuses, ben, c'est le top. Elles sont super heureuses, tes poules. C'est comme des chiens, elles font la fête. Elles te reconnaissent quand t'arrives. Ouais. Elles te suivent, elles courent partout. On passe énormément de temps avec elles. Et c'est pour ça que nos poules, aujourd'hui, acceptent très bien notre présence. Il n'y a pas de problème. Oui, les petites. Oh là là. Avec ce métier, moi, depuis qu'on a commencé, j'avais quand même une envie d'être transparent à 200% sur notre système. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entretient notre page Facebook et notre page Instagram quand même assez souvent pour montrer aux gens ce qu'on fait, pour montrer où sont nos poules, pour montrer comment on les élève. Il n'y a pas de secret chez nous. Oui. Ben, elles sont belles, tes poules, et ça donne envie de... Ben de, voilà, de les manger. Non, c'est pas vrai. Non, ça donne envie de goûter tes œufs. En tout cas, voilà, elles sont belles tes poules. Merci. Julien. Merci beaucoup, à bientôt, ciao. À bientôt.